Allez, avance un peu. Avance, pour l'espoir, avec 6 jeunes qui promettent un petit peu et qu'on espère qu'ils vont aller le plus haut possible, on verra plus tard. Pour faire ces survêtements, on avait besoin de quelques sponsors. Et Jean-Marc s'est quand même occupé de tout et a trouvé tous les sponsors, entre autres lui, pour commencer. Ensuite, le beau-frère. On va rester dans la famille. Les transports Fébora. Les assurances bientôt mieux. Bon, sur 4, il y en a, enfin 5, il y en a quand même 3 qui jouent et un qui boit. C'est de la famille. Enfin, l'immobilier, la forêt, dont Dylan fait partie, si c'est pour l'espoir. Monsieur Jiquel qui est pas là, qui est excusé, qui s'occupe des produits d'entretien. Et pour finir, le plus dur à avoir et qu'on a réussi à avoir, c'est Deuxième Informatique. Je vais aussi penser à remercier un élu qui est là ce soir, qui a pu venir, parce que les autres sont en pleine réunion, ça vous propose que j'ai compris. Monsieur Marc Gély, qui est parti aussi du club, donc. Pour lui, c'est pas nouveau. Et dont son fils promet, je pense qu'il va peut-être prendre la suite un jour, c'est pas, on verra. Monsieur Benjamin Pommier. Allez, Benji. Alors, allez, viens ici. Donc, classé 30, championnat départemental en 2009, individuel et par équipe. Donc ça c'était au passage à l'époque, il était encore au passage, il n'était pas encore à Nérac. En 2010, championnat individuel par équipe. Demi-finale en individuel qui se jouera samedi prochain, je crois. Ah, c'est ça. Voilà. Il fait partie du top 8 régional, qui est quand même pas mal. Il a gagné que 5 tournois. Pont-du-Casse, Le Passage, Bacarès, Nérac, Saint-André et Cubzac. Et il a fait deux finales, Marmande et Codéron. C'est tout. C'est pas mal. Alors, Claude. Champion départemental par équipe. Il a gagné le tournoi du SU Agen, de Tonnerre. Il a été en finale à Nérac et à Pont-du-Casse, perdu contre Ben en finale d'ailleurs, si mes souvenirs sont exacts. En individuel, championnat départemental, demi-finale, qui va jouer quand ? Demain. Où ça ? Et qui est classé 32. Voilà, Monsieur Napolitano Dylan. Voilà. 50 matchs, 30 victoires, 20 défaites. 4 pertes, il n'a qu'un 5, 3 à 30. Alors, demi-finaliste en individuel et par équipe départementale. Finaliste, on ne va pas dire les catégories, Montera, Nérac, Lectour. Et bien, il a gagné deux tournois à Valence sur Baïse et à Lectour. Et au à l'intermédiaire, il est classé. Ah bon. Alors, monsieur De Siletti. Antoine. Demi-finaliste des championnats individuels, des championnats départementaux par équipe. Trois quarts de finale, les RAC en tour, et un championnat individuel par équipe départemental. Et il a fait deux tours. Il a fait deux tours au tournoi qualificatif du passage d'espoir. Voilà, un beau tournoi. La félicitation, c'est bien. Bravo, et classé que 32.
Monsieur Maxime Bernard Juzan. Ça t'applaudit pas, Maxime. Joueur de tennis, et comme il joue à deux mains, voilà, maintenant il s'est blessé, donc maintenant il va falloir Robert Kelly. Il va être obligé. Il va jouer à deux pieds maintenant. J'espère qu'il va arrêter. Alors, en tournoi, vainqueur en Irak, finaliste à Toulouse, finaliste à Casteljaloux, demi-finaliste à Valence-sur-Payse. Championnat par équipe, finaliste. Championnat individuel, forfait. Demi-finaliste et forfait. Voilà, et cassé, 15-5. Monsieur Mathieu Dufier. Premier finaliste championnat par équipe départementale. Il a gagné l'Irak pour Lucas Marmande. Il a fini finaliste au passage. À quoi? La traîne. Ouais, bon, en fait, ça va être en France. Hein. Ouais, là, c'est un cachot et ça tendait le cul-de-sac. Il est 6e régional. Qui est bien. Et il est classé que 15. Ouais. Ouais.